Oula, c'est moi ou le temps se gâte là? Oui. Bienvenue les amis, vous êtes bien dans The Big Game of Ski, le chapitre final. Oui, le chapitre final, puisque vous avez bien vu que il y a un jeu qui a squatté les streams un petit moment là. Et pas qu'il soit génial, mais moi je suis curieux de nature, donc forcément j'avais envie d'en savoir plus. Et donc j'ai avancé dans The Cursed Forest. Oh, il y a l'orage qui se rapproche, je vais me mettre sous un arbre, ce sera plus sûr. Ne faites pas ça les enfants, hein, quand il y en a un orage, faut pas faire ça. C'est le mauvais exemple. Enfin bon. Et donc je me suis retrouvé une fois de plus coincé au 7ème stream sur The Cursed Forest pour un truc complètement idiot qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Allez hop. On enfile la parka, on y retourne. The Cursed Forest, me voilà. J'étais coincé dans ce passage où il fallait que j'installe 4 diamants. Enfin, 4 cristaux pour me dégager le chemin, et en fait, c'était juste une histoire de script qui déconnait, puisque je suis passé là-devant et ça voulait pas prendre mes cristaux. Et puis, à force de tourner machin, et à un moment, je suis passé devant et ça me les a pris, donc j'ai pu installer mes 4 cristaux. Et la joie, la fumée a foutu le camp. Je peux passer. J'espère qu'il y a un trou. Alors cette fin du jeu, on l'aura bien mérité parce que oui, c'est pas un grand succès. Attendez que ce jeu, on vous le donne. Et encore, je suis pas sûr que ce soit un cadeau hein, si on vous le donne. Attendez que ce jeu se détruise de lui-même en fait. Parce que bah oui, ça sent la tentative, mais c'est pas vraiment réussi quoi. Oui, j'esquive les trucs un peu chelous. Du coup, plutôt que d'aller de bon en bon, je suis surtout allé de déception en déception. Tout est très téléphoné. Les scar jumps sont parfois proches du ridicule. De temps en temps, ils ont la bonne idée de fonctionner parce qu'ils sont placés au bon moment, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Et du coup, bah, c'est dommage parce que ce jeu, il aurait été un peu plus bossé. Et puis, on lui aurait greffé quand même une histoire un peu plus haletante, bah, il y aurait eu moyen que ce soit sympa. Là, dans l'état, je peux pas dire que ce soit un jeu GG. Je la sens pas, cette planche là-bas. Arrête de faire le jeu de cache-cache, c'est fini. Je ne joue plus. Oh! Oui, je saute dès qu'il y a des petits passages comme ça, parce que ça a tendance à s'écrouler tout seul. Regardez-moi ça comme c'est bucolique. Mais dans bucolique, il y a bu. Alors, j'ai un petit passage par ici, j'ai un petit passage par là-bas. Je vais aller voir pour la vue, hein. Juste pour le point of view. Les rivières qui se jettent dans l'océan, que c'est magnifique. C'est dommage qu'ils aient une météo pourrie parce que niveau tourisme, il y aurait des trucs à faire. Hein. Bon, on va pas s'attarder. On a beaucoup, beaucoup perdu de temps. J'ai pas calculé combien de streams. Avec une moyenne de 2h 40 minutes par stream, on en est au 8ème. Le calcul est rapide. Hein. Je vous laisse le faire, moi je suis en train de conduire, là je peux pas tout faire. Donc voilà. 6 heures grosso merdo. 6 heures, mais surtout de l'ennui profond et du rire souvent. Parce que ce jeu, bah, vu que c'est un nana, il faut aller. Pourquoi j'étais censé avoir peur, quoi? Vous l'entendez à mon timbre de voix, ma fréquence cardiaque n'a pas monté d'un battement. Je suis abasourdi, moi, devant ce truc. Alors, je vais faire un moulage. Parce qu'il y a des Oscars qu'on remet. Aujourd'hui, je vais remettre le nanar du jeu vidéo, je pense, à cette petite merveille que je vous ai partagée pendant 8 heures quand même. Vous avez de la patience, vous avez regardé tous les streams, seriously? Vous êtes fort. Moi, j'aurais pas pu. Là, je peux pas sauter, c'est trop loin, regarde. Puis c'est d'où tu viens, tête de mort. Qui c'est que t'appelles, tête de mort, tête de mort? Allez, on va tracer un peu là parce qu'il y a de la fumée là-haut. Et qui dit fumée dit. Bah oui, forcément. Flamme.
c'est. Ça, c'est un gros feu, ça. Ça sent le rituel, pas loin. Est-ce que je serais venu me sacrifier de mon plein gré pour faire plaisir aux allumés du coin? Alors, il y a une note. Oh, putain, sur un pneu, ok. On va tout savoir, enfin. Oui, je prends mon café parce que j'ai besoin de mon remontant. Moi. Clic, cloc, clic, cloc. Nos bonus. Des objets qui ne servent à rien. Un accordéon, Léon. Donc c'est bien à l'image de ce jeu. C'est un grand vide. Ce jeu est un énorme vide. Si c'est pas, j'arrive à courir, je suis guéri. Non, j'ai toujours ma jambe qui saigne. Ça fait quand même 8 heures là que j'ai ma jambe qui saigne. Allez, un petit script, les gars, je suis prêt, je suis chaud. Je suis chaud comme une baraque à frites, comme dirait la team betterave. Monsieur K dans The Cursed Forest, le chapitre final. C'est now! On va pas aller là-dedans, je vais faire demi-tour et je vais retourner d'où je viens au tout début. Hein? Parce que je crois que j'ai oublié un truc. Non? Oh, vous n'avez pas d'humour. C'est verrouillé. Ta mémé, c'est verrouillé. Ce jeu est une absence de surprise totale, quoi. Je peux pas dire autrement. Alors. What the what? Ouh, il y a eu une noiraude qui est passée. Parce que le jeu est tellement ridicule maintenant que. Bienvenue dans la salle du sacrifice! Ouais, bah t'aurais pu l'écrire directement, c'était plus simple. It's locked! Ooh, my gosh! Qu'est-ce que c'est? C'est une. Une serpette. Un morceau de poupette. Ok. Chaudron magique. Il n'y a pas Taram dedans, c'est dommage. Oui, j'aime bien vous faire des mouvements un petit peu steadicam, c'est sympa. Parce que quand je marche, moi j'ai tendance à saccader un peu. Mais bon, dans ce jeu, on a la chance de. Oh, mais c'est l'énigme. Putain. Oui, c'est un jeu russe. Hein. Ok, j'ai pas de chance avec les jeux russes que je teste, parce que ce sont fréquemment. Faut dire ce qui est, il n'y a pas de, je ne généralise pas avec les développeurs russes, mais ce sont quand même fréquemment des grosses bouses. On va dire ce qui est, on va utiliser le terme technique. Gné, gné, gné. Ce piège à loup va super bien cuire du coup dans ce four à pain, non? C'est quoi l'idée? Faut que je retrouve toutes les parties de la pupette. J'ai un bras, une jambe, il me faut un autre bras, une autre jambe, une tête, un corps. Parce que ça va être pénible, douloureux et aussi chiant que les 6 heures précédentes. Vous le saurez tout de suite après la coupure pub. Oui, avec Rexona. La 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 la. Non mais je t'ai vu. Tu fais flipper personne. Deux jambes. Allez. 3, 4, 5. 6 à droite. Adjugé. Salut, je viens pour le script. Oui. Faudrait que j'apprenne à dire des insultes en russe, ça pourrait être utile en fait. Toi tu clignotes, je peux pas te rater. Hein. Une teuté et un beau rat. Et maintenant que t'as tout, tu vas tout aller mettre dans le. Je vais jouer du piano. La 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 la. Oui, je suis toujours aussi bon aux instruments de musique dans les jeux, mais uniquement dans les jeux. Le mec, il a quand même mis qu'on pouvait faire gling-gling sur le piano, alors qu'il y a les 90% des trucs qui ne sont pas interactifs dans tout le jeu, quoi.
Oui, je fais ma langue de vipère puisque c'est le stream final et je dois vous avouer que j'en ai plein le dos. Ça s'est peut-être senti aux intonations sur les derniers streams, la porte doit pas se fermer. T'as vu ça, cette maîtrise mentale? La porte ne se ferme pas. Et pff, oui, bah la tapisserie, oui, bof. Je suis totalement surpris. Alors je pense que le programmeur devait avoir 14 ans et demi ou un truc comme ça. Hein, faut bien qu'on trouve des excuses. Une clef. Hello Agrogrome. Mais qui es-tu, Agrogrome? Alors, Agrogrome, en hommage à cet épisode de South Park, qui était lui-même un hommage à Scooby-Doo. Et puis... Alors... Ensuite... Eh ben, faudrait que... Ok. Bon, Agrogrome, on y go? Lâche-moi ta séquence. Agrogrome. Youhou. T'as pas envie, hein. Putain, j'étais synchro avec le tonnerre, j'ai failli me faire peur en fait. Bon bah je me tiens. Hein. 3 sur 9. Apparemment, il va pas me lâcher comme ça. Hein. Est-ce que cette dernière section du jeu sera la plus longue, la plus pénible de toutes? Elle fera elle seule 17 heures. Vous le saurez après le flash. Info routière. Me casser, moi. Et du coup? Et du coup? Et du coup? Et du? Et coucou? Et du coucou, hein? Je peux même pas faire le con avec ma poussette, là. C'est... Je vais retourner dans la salle du agrogrome. T'as mieux? Je t'ai refait ta poupée, je t'ai rendu ton nounours. Dis, tu me laisses sortir du jeu? Dis. Allez. Oui, je sais super bien faire le gamin de 10 ans super pénible qui est en mode disque rayé. Je suis capable de faire criser absolument tout le monde très facilement avec ça. On n'est pas sorti, je vais me poser là, hein. J'ai plus que ça à faire. Les mecs, ils partent, ils laissent du pognon, ils laissent les bouquins, ils laissent tout, c'est tout ouvert. Puis des fois ça se ferme, mais bon, ils s'en foutent quoi, ils sont là, ils font... Le mec, il va venir dedans, on va rigoler avec. Que t'arrive-t-il, mon pauvre ami, monsieur K? Bah, je suis coincé là, monsieur Lénine. Est-ce que vous auriez une petite idée de ce que je peux faire? Travailler davantage? Why the frag I can't do anything with this? Oui, je mets un peu d'anglais parce que là je sens que je vais commencer à utiliser des termes qui vont correspondre à mon niveau d'énervement. Puisque c'est d'une connerie affligeante ce jeu, quoi. Oui, j'ai fait la voix ultra grave parce que c'est. Je peux même pas tricoter ou faire de la couture pour patienter, rien, quoi. Je vais jouer. Du piano! Debout! Comment ça, c'est déjà fait? Bon, bah d'accord, je m'abstiens. De toute façon, il est pété ce piano. Mais quelle idée d'empiler des oreillers comme ça? No, you can't! It's not possible! Oh, fuck it! Oui, je vais me contenter d'insulter en anglais maintenant parce que c'est. Au moins, ça restera tout public et je sais. Pourquoi ce jeu me fait autant chier, quoi. Alors j'avais dit combien? À partir d'1,95€, ça vaudrait presque le coup de l'acheter. Je retire. Je suis où? Why is it black? Why isn't it lighted? Why the fuck? You want me to go back to my plane? Ok, bah ouvre-moi la porte. Ah, je t'ai vu toi là-bas. Oh là 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 là, cette cata ce jeu.
Tais-toi, joli. Bon, vous avez tout compris d'histoire? Génial. Et on se casse. Ça n'a que trop duré. Il suffit. Why is it all dark? Ah, enfin, it's open. Je peux me tirer. Tu veux que j'aille là-bas? Ça tombe bien, c'était l'endroit qui était verrouillé et qui va être... Oh, comme par magie, déverrouillé. Regardez la puissance de la magie. Alors là, je suis prêt à marcher dans tous les pièges à loup s'il le faut. Bah oui, mais il faut pas jouer à ranimer les gens. Surtout quand ils ont pas envie. Et là, il y aurait quoi? Là, c'est un peu haut, gars. Tu peux tenter, hein. Alors, c'est moi, ça fait longtemps que j'ai plus de sauvegarde. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas croisé Michel, mon épouvantail. J'aurais appelé Ghostbuster à sa place, mais bon, c'est un avis perso. Chacun fait ce qui lui peut. En général, quand il y a de la brume comme ça, c'est chelou. Et une sauvegarde comme ça avec de la brume, c'est encore plus chelou. Et quand c'est chelou comme ça, en général, on n'y va pas. Hein. Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mes viewers? Cache derrière la sauvegarde, regardez-moi ça. Donc nous avons les entités divines qui ont servi pour ce rite non homologué de ranimation de mort.
Et je ne suis pas si stupide, je ne vais pas aller là. Oups. Youhou. Putain de bordel de... Prends ce curseur fait avec le cul, quoi. D'accord. D'accord. Dis-moi qu'il me manque juste un truc, tu rigoles. Je me casse. Non, non, non. Je suis scotché. Je ne peux pas bouger. Il viendra sur moi. Ça va bien se passer. Je vais peut-être me casser, moi. Je peux toujours pas bouger. Donc ça va être vite réglé. Hein. Total. Alors, j'aimerais que vous mettiez un petit pouce sur cette vidéo pour remercier l'effort des 6 heures de ma vie que j'ai donné pour vous faire voir ce jeu. Parce que je pense que très peu de gens auront ce courage. Et d'ailleurs, là, je marche sans la manette. Regardez, hop. Oui, je peux taper des mains en même temps. Et voilà. J'ai plus qu'à aller me pendre. Surtout au prix où est vendu ce truc. Donc non, je ne lui laisserai pas le bonheur de faire une belle fin cinématique où je me tais et je lui laisse sa belle fin puisque sa fin est moche. Sa fin est nulle. Et ce jeu... C'était qu'un rêve, monsieur. Les secours sont arrivés. J'avais pas eu des bugs audio comme ça depuis la Sound Blaster. Oh purée, purée, purée. Je veux partir, enlevez-le-moi tout de suite. Ah, 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 c'était The Cursed Forest dans The Big Gamoski. Une épreuve rude pour les nerfs, puisque ce jeu est carrément mauvais. Même à 1,95€, je me demande si on peut se permettre de l'acheter. Ou... Non, c'est une Lada ce truc, ça se refile quoi, on l'achète pas. Ah, quelle violence, et même le chargement pour revenir à l'écran titre, ça va être 5 heures. Donc notez le titre, The Cursed Forest, c'est sur les plateformes des maths, ne l'achetez pas. Non, 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 non. On vous le propose, on vous donne un bon d'achat de 20 balles. Mettez-le dans tout ce que vous voulez, mais pas là-dedans, pitié. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. C'est dangereux. Regardez, je suis devenu complètement fou suite à ce jeu. Ah!
Ah, fallait que ça sorte. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste qui est pleine de bons jeux, la playlist des shmups qui est pleine de bons shmups. Et pour me faire pardonner de vous avoir cramé 6 heures de votre vie à vous aussi, je vous donne un stream bonus. Des bisous, à bientôt 21h dans The Big Game Oski. Youhou!